Bonsoir, shalom, shalom, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Et vous êtes en direct sur votre chaîne chrétienne Réveil TV, bien sûr sur votre émission Réveillez-vous. Et ce soir, ensemble, par la grâce du Seigneur, nous allons partager sur la séparation. Vous savez, parfois, ce sont des thèmes qui plus ou moins bouleversent lorsque, rien que par le mot, n'est-ce pas, rien que par cette prononciation, n'est-ce pas, du mot séparation, beaucoup, n'est-ce pas, peuvent se retrouver troublés ou bien s'interroger en se demandant si c'est vraiment, n'est-ce pas, du Seigneur ou bien est-ce que le Seigneur qui est amour peut permettre, n'est-ce pas, qu'il y ait des séparations, n'est-ce pas, dans la vie d'une personne. Oui, c'est vrai, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, les Écritures, nous voyons que le Seigneur Elohim, n'est-ce pas, Dieu Elohim est un Elohim, n'est-ce pas, aussi des séparations, n'est-ce pas, voilà, qui met son peuple à part, qui ne veut pas, n'est-ce pas, que son peuple se retrouve, n'est-ce pas, dans le mélange, dans la compromission ou encore, n'est-ce pas, dans la pollution quant au péché. Voilà, donc, avant, n'est-ce pas, de prendre des versets bibliques qui vont soutenir, n'est-ce pas, l'enseignement de ce soir, je vous exhorte, n'est-ce pas, de vous joindre à moi par la prière en recommandant ces moments entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur nous guide et que seul son esprit, n'est-ce pas, soit au contrôle. Adonai, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Papa, pour ces temps d'échange, d'édification. Père, nous voulons que tu sois au contrôle de tout. Papa, enseigne-nous ta parole. Papa, viens briser les cœurs, Seigneur, endurcis. Viens libérer les cœurs, Père Céleste, qui sont entachés ou touchés par le raisonnement. Papa, nous prions, Père Céleste, que ta lumière puisse jaillir afin que les vies soient sauvées. Au nom puissant de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors donc, déjà nous sommes encouragés de savoir que Dieu a un peuple, n'est-ce pas, qui tient ferme. Un peuple, n'est-ce pas, qui ne s'attache pas au bienfait du Seigneur. Vous savez, nous sommes arrivés dans un temps où beaucoup ne viennent pas au Seigneur par amour. Beaucoup ne viennent pas au Seigneur à cause de ce qu'il est, mais plutôt à cause de ce qu'il a. C'est que le Seigneur peut leur accorder. Ce que le Seigneur, n'est-ce pas, peut en retour, n'est-ce pas, donner aux gens. Et ce qui fait que beaucoup qui viennent, n'est-ce pas, dans cette intention, voyez, qui attendent recevoir des choses du Seigneur, ben, ne parviennent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Alors beaucoup sont découragés, voyez, donc ils adoptent une attitude religieuse parce que vraiment le monde est aujourd'hui, n'est-ce pas, sinon envahi, n'est-ce pas, par de telles prédications où on présente aux gens, n'est-ce pas, beaucoup plus les bienfaits du Seigneur. Et les gens n'ont plus le temps du Seigneur, les gens n'aiment plus le Seigneur, les gens ne veulent plus passer du temps avec le Seigneur, les gens ne veulent plus, n'est-ce pas, méditer la parole, prendre du temps dans la prière, mais beaucoup veulent courir après les miracles, beaucoup veulent courir, n'est-ce pas, après les bienfaits du Seigneur, beaucoup attendent, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur les bénisse. Et voilà, vraiment, on vit dans un monde, n'est-ce pas, qui est un monde à l'envers. Et la parole du Seigneur est là, n'est-ce pas, pour nous ramener sur le droit chemin. La parole du Seigneur est là, n'est-ce pas, pour nous maintenir, n'est-ce pas, un tel éveil, afin que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, nous endormir, comme beaucoup, beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, sont endormis. Et quand on parle du sommeil, le sommeil spirituel, beaucoup sont endormis, parce que le Dieu de ce monde, n'est-ce pas, que le diable a fini par les aveugler, a fini par les avilir, a fini par les séduire, a fini par les avoir, n'est-ce pas, alors faisons croire que Dieu est un Dieu, n'est-ce pas, qui doit seulement nous donner, mais en retour, n'est-ce pas, nous, en retour, nous ne devons rien apporter au Seigneur. Voyez un peu, c'est un évangile faux. Quand je parle d'apporter, ça n'a rien à voir avec de l'argent. Voyez un peu, ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord que nous puissions lui offrir nos cœurs, comme la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1er, que nous devons offrir nos cœurs, nos corps, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Donc nous comprenons que quand nous nous maintenons à part, quand nous vivons une vie, n'est-ce pas, qui est en accord avec la parole de Dieu, voyez un peu, nous rendons un culte à Dieu. Donc en vivant dans la sanctification, n'est-ce pas, nous rendons un culte à Dieu. Or aujourd'hui, n'est-ce pas, le monde nous enseigne d'aller au culte, mais bibliquement, on rend un culte à Dieu, n'est-ce pas, lorsque nous marchons dans la sanctification, lorsque nous nous maintenons, n'est-ce pas, dans la sainteté, n'est-ce pas, en obéissant, bien sûr, au Seigneur au travers des Écritures. Donc, c'est des choses aujourd'hui que les gens ne veulent plus entendre. Pourquoi? Mais parce que ça fait mal. Les gens veulent servir Dieu, les gens veulent aimer Dieu, les gens veulent aller au ciel, mais toutefois, en vivant dans leur péché, en vivant, n'est-ce pas, dans l'immoralité, en vivant, n'est-ce pas, dans des fausses conceptions. Mais ça, là, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec l'évangile véritable du Seigneur. Alors, voilà pourquoi nous vous encourageons, vous, n'est-ce pas, qui avez l'amour de la vérité, vous qui nous suivez, vous qui prenez du temps, n'est-ce pas, à ouvrir votre cœur, n'est-ce pas, à recevoir la parole. Nous savons que ce n'est pas facile, puisque les Écritures nous disent que la parole de Dieu, n'est-ce pas, est comme une épée à double tranchant. Vous voyez un peu? Donc,
quand la parole vient, n'est-ce pas, c'est pour nous séparer, c'est vraiment pour venir faire un tri, c'est vraiment, n'est-ce pas, pour apporter quelque chose de nouveau, une transformation, n'est-ce pas, dans nos vies. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas, de recevoir Jésus-Christ, d'appartenir à Jésus-Christ et demeurer la même personne. Ce n'est pas possible. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que lorsque quelqu'un est en Yeshua, en Christ, n'est-ce pas, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Nouveauté de quoi? Nouveauté de vie, nouveauté, n'est-ce pas, dans notre mentalité, la nouveauté, n'est-ce pas, dans notre façon, n'est-ce pas, de parler aux gens, dans notre façon de nous vêtir. Voyez un peu, on ne peut plus, n'est-ce pas, nous conformer à ce monde. Nous ne pouvons plus vivre, n'est-ce pas, comme le monde. Non. Pourquoi? Parce que la lumière de Christ en nous, au moins de son esprit, n'est-ce pas, nous amène à ne plus, n'est-ce pas, aimer les choses de ce monde, mais plutôt à nous détourner du monde, n'est-ce pas, et suivre Jésus-Christ en marchant, n'est-ce pas, en accord avec les Écritures. Voyez un peu, c'est ce que la Bible nous dit. Et voilà, c'est des telles personnes, n'est-ce pas, qui, bien sûr, après la mort, hériteront le royaume des cieux. Vous voyez, il y a beaucoup, lors de la perte, n'est-ce pas, d'un parent proche, d'un ami, d'une connaissance. Vous voyez un peu, il y en a qui disent que la terre te soit légère, longue vie à toi, que ton âme repose entre les mains du Seigneur. Ben, ce n'est pas toujours vrai. Les gens qui meurent dans le péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu meurs dans le péché, tu vas dans un lieu de tourment qu'on appelle l'enfer, en attendant le jugement dernier, où tu passeras ton éternité dans un lac de feu, selon Apocalypse chapitre 20. Vous voyez? Alors, donc, c'est des choses que nous devons comprendre. Le diable, n'est-ce pas, s'efforce à nous maintenir dans le péché, dans l'aveuglement, dans l'ignorance, par des fausses doctrines, par des illusions. Ouais, un peu. Pourquoi? Parce que, ben, il veut nous éloigner, il veut nous empêcher, n'est-ce pas, de rentrer en connaissance de la vérité. Vous voyez, la terre ne peut pas être légère pour une personne qui meurt dans le péché. Parce que si tu meurs dans le péché, tu vas dans les lieux arides. Ton âme sera troublée par les démons. Et la Bible nous dit dans Luc 9, les vers qui ne meurent pas, qui vont dévorer, n'est-ce pas, les vies, les âmes, n'est-ce pas, qui rebellent à cause de quoi? Mais à cause du péché. Les gens qui vivent dans le concubinage, les gens qui vivent dans la masturbation, les gens qui vivent dans la pornographie, les gens qui se saoulent, qui sont esclaves de l'ivrognerie, n'est-ce pas, de la prostitution, de la franc-maçonnerie, les gens qui consultent les marabouts, qui vont chez les gangas, qui vont consulter les prophètes et qui boivent, n'est-ce pas, des eaux prophétiques. La Bible dit que si ces personnes-là meurent sans se repentir, n'est-ce pas, ben, leur sort sera l'éternité dans un lac de feu. Parce que tout ce qui est péché, n'est-ce pas, nous sépare de Dieu. Voyez donc, frère, ne nous laissons plus séduire, frère, par des discours, par des vains discours, comme les Écritures le disent. Voyez un peu, c'est le temps, n'est-ce pas, vraiment de nous réveiller du sommeil. C'est le temps de nous réveiller du sommeil. Parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, que les temps sont mauvais et nous devons racheter le temps. Comment? En prenant du temps, n'est-ce pas, à la méditation de la parole, un peu, et en demandant au Seigneur d'éclairer nos cœurs, d'éclairer notre intelligence, de nous donner la capacité, n'est-ce pas, d'avoir l'intelligence, de lire la Bible, non seulement la lire, et aussi, n'est-ce pas, la comprendre les Écritures. Parce que si nous lisons ce qui est écrit et que nous ne comprenons pas, frère, nous ne serons pas éloignés, n'est-ce pas, des loups. Nous ne serons pas à l'abri, n'est-ce pas, des fossoyeurs, des faux prédicateurs, des loups aujourd'hui, n'est-ce pas, qui enseignent des doctrines erronées. Oui, voilà pourquoi on a besoin, n'est-ce pas, d'être renouvelé dans notre intelligence. Et c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, de Dieu qui est capable de pouvoir accorder, n'est-ce pas, ce renouvellement dans nos vies. Ce n'est pas une imposition de main, ce n'est pas un voyage quelconque, n'est-ce pas, à Jérusalem ou bien dans un pays soi-disant saint. Non, c'est la rencontre avec Jésus-Christ et le fait, n'est-ce pas, que nous sommes baptisés du Saint-Esprit lors de notre naissance d'en haut, que l'Esprit du Seigneur, que Dieu nous donne par son Esprit la capacité de comprendre les Écritures. Sinon, ce n'est pas possible, frère. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas des études théologiques, il n'y a pas des études, n'est-ce pas, qu'il faut aller vivre, qu'il faut aller faire, ou bien des ablutions qu'il faut aller, n'est-ce pas, pratiquer dans un lieu quelconque, dans un centre de formation ou des retraites pour avoir la connaissance des Écritures. Non, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui renouvelle notre intelligence. C'est le Saint-Esprit qui nous greffe du corps de Christ, c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants du Seigneur. Donc l'Esprit de Dieu à nous, n'est-ce pas, amène la capacité, le potentiel de pouvoir prier, de pouvoir nous mettre à part, de pouvoir triompher du péché, de pouvoir comprendre la parole, de pouvoir, n'est-ce pas,
changer de mentalité, changer de langage. C'est l'Esprit du Seigneur. Alors, beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, vont dans des assemblées, mais ont du mal à se détacher du péché. Mais tout simplement, il y a deux choses, n'est-ce pas? Soit c'est des personnes qui n'ont jamais connu la conversion, qui n'ont réellement jamais reçu Jésus-Christ, des personnes qui ont adhéré, n'est-ce pas, à une religion, qui ont adhéré, n'est-ce pas, à une dénomination, qui ont adhéré, n'est-ce pas, à un bâtiment qu'on appelle par but de langage église, mais qui n'ont jamais connu Jésus. Parce que c'est impossible, n'est-ce pas, de connaître Jésus-Christ et de demeurer, n'est-ce pas, pareil. Et de continuer, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, dans les prêts à intérêt, à faire des avortements, à jouer aux bêtes 24, n'est-ce pas, aux jeux de hasard. Voyez un peu, aller consulter les gangas, aller chez les marabouts, aller faire des initiations dans les eaux, les lacs, n'est-ce pas, ainsi de suite. Non, c'est pas possible de pouvoir pratiquer ces choses, être vivre constamment, n'est-ce pas, en concubinage ou dans l'adultère et dire que non, je suis du Seigneur. Non, c'est pas possible. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il te libère, il te sort de la puissance du péché, n'est-ce pas, et fait de toi un potentiel candidat, n'est-ce pas, pour le royaume des cieux. Voilà la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie vraiment que les cœurs, n'est-ce pas, endurcis s'ouvrent et que la parole du Seigneur, n'est-ce pas, puisse pénétrer les vies et laisser la parole du Seigneur, n'est-ce pas, transformer nos vies. Et c'est alors, frère, que nous serons des véritables disciples de Jésus. Et c'est alors, n'est-ce pas, que si le maître, n'est-ce pas, vient, on ira avec lui, parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ viendra chercher ses enfants, l'enlèvement de l'Église. Alors donc, soyez encouragés et bénis. Si cette parole, n'est-ce pas, percute ton cœur, si cette parole, n'est-ce pas, te fait du mal, alors comprends que ce mal a pour but, n'est-ce pas, de te sauver. Ce mal a pour but, n'est-ce pas, de te guérir. Te guérir par rapport à quoi? Te guérir, n'est-ce pas, par rapport à la maladie du péché. La maladie du péché, n'est-ce pas, qu'aucun médicament, qu'aucun comprimé, n'est-ce pas, qu'aucune incantation, qu'aucun rite initiatique, n'est-ce pas, ne peut libérer ou ne peut guérir. Il n'y a que la puissance, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qui est mort à la croix, ressuscité, qui a la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir nous libérer, n'est-ce pas, de ces péchés et faire de nous, n'est-ce pas, des candidats pour le royaume des cieux. Faire de nous des enfants, n'est-ce pas, des Elohim. Alors, donc, voilà, nous vous encourageons, frères, à aimer la parole, à vous attacher à la parole, à ne pas, n'est-ce pas, tomber dans la séduction du péché, la séduction du mensonge, ou un peu qui bat son comble, où les gens courent après les choses qui frappent des yeux, qui courent, qui veulent la guérison, qui veulent des miracles. Oui, le Seigneur peut faire des miracles. Oui, le Seigneur fait des miracles. Mais ce que le Seigneur attend d'abord de nous, n'est-ce pas, c'est la repentance, métanoïa, changement de mentalité, prendre la résolution, n'est-ce pas, que notre vie ne plaît pas au Seigneur. Regardons même la parole. Quand Jésus-Christ s'est guérissé, quand Jésus-Christ s'est délivré, il disait quoi? Va et ne pêche plus. Jésus sait, il nous enseignait, n'est-ce pas, au travers de ses recommandations, qu'il y a des malédictions, il y a des maladies qui sont aussi liées ou sinon qui sont la conséquence du péché. Donc quand nous sommes dans le péché, frère, nous ouvrons des portes au diable et le diable, n'est-ce pas, fait de nous ce qu'il veut parce que le péché, n'est-ce pas, donne la force au diable de pouvoir travailler, donne la force aux démons, donne la force aux sorciers de pouvoir travailler. Alors voilà pourquoi la Bible nous parle, n'est-ce pas, de la séparation. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de nous éloigner de tout ce qui est impur, de nous maintenir, n'est-ce pas, dans la sanctification. Vous voyez, nous allons commencer dans un nombre au chapitre 8, n'est-ce pas, nous allons parler de la séparation. Le Seigneur veut que nous puissions nous séparer. Le Seigneur ne veut pas, n'est-ce pas, nous voir dans le mélange. Le Seigneur ne veut pas nous voir, n'est-ce pas, dans tout et n'importe quoi, non. Le Seigneur veut, n'est-ce pas, avoir des personnes, n'est-ce pas, intègres, des personnes, n'est-ce pas, qui ont compris, n'est-ce pas, le plan ou sinon la volonté de Dieu. Des personnes, n'est-ce pas, qui savent avec qui ils marchent, qui savent, n'est-ce pas, qui... celui, n'est-ce pas, qui serve, vois un peu, celui qu'on sert, vois un peu, si tu ne connais pas Dieu, vois un peu, mais tu vas le servir, n'est-ce pas, selon ce monde, tu vas le servir, n'est-ce pas, selon la conception des hommes, avec l'intelligence humaine. Non, tu ne peux pas servir Dieu, n'est-ce pas, avec nos propres efforts et puis plaire à Dieu. Non, Dieu nous a montré comment est-ce que nous devons nous contenir, comment est-ce que nous devons nous comporter autant pour moi, n'est-ce pas, pour pouvoir le plaire, pour pouvoir, n'est-ce pas, être en accord avec lui, vois un peu. Dans Nombre 8, verset 14. Nous allons lire Nombre 8, verset 14. Regardons ce que la Bible nous dit. Ouais, les frères de la régie vont souvent nous afficher, n'est-ce pas, les versets sur l'écran pour qu'ensemble nous puissions faire la lecture. La Bible dit, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Donc Dieu ici, n'est-ce pas, s'était choisi un peuple, n'est-ce pas, au milieu, n'est-ce pas, d'Israël, la tribu des Lévites,
pour l'appartenir. C'était les gens qui devaient servir le Seigneur. Et Dieu dit, n'est-ce pas, de séparer les Lévites, n'est-ce pas, de tout le reste, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Parce que les Lévites allaient l'appartenir. Donc Dieu parle ici de la séparation. Donc Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'il nous appelle à lui, voyez un peu, c'est parce qu'il veut nous séparer des valeurs de ce monde. Il veut nous séparer, n'est-ce pas, de la conception, n'est-ce pas, du monde. Il veut nous séparer, n'est-ce pas, de comment est-ce que ce monde fonctionne. Voyez un peu. Donc Dieu nous appelle pour nous séparer, n'est-ce pas, du fonctionnement de ce monde. Vous voyez, Dieu a appelé, n'est-ce pas, les Lévites à être séparés des autres enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les Lévites, n'est-ce pas, devaient se consacrer, n'est-ce pas, au service. Ils allaient servir le Seigneur. Donc, ils ne pouvaient plus se comporter, n'est-ce pas, comme tout le reste. Pourquoi? Parce qu'en eux, n'est-ce pas, il y avait quelque chose, un sceau que Dieu avait déposé dans leur vie, vous voyez un peu, et ce sceau-là, n'est-ce pas, les distinguait des autres, vous voyez un peu, cet appel, n'est-ce pas, les qualifiait, les distinguait des autres, ouais, ils avaient été appelés, n'est-ce pas, pour être au service de Dieu, auprès, n'est-ce pas, des autres enfants d'Israël, ouais, et Dieu dit, n'est-ce pas, que les Lévites devaient ou sinon allaient l'appartenir, c'était la propriété de Dieu. Et il en est aussi, n'est-ce pas, de nous, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, en ce moment, n'est-ce pas, frère, lorsque nous recevons Jésus, nous appartenons à Jésus, nous appartenons à Yeshua, à Dieu. Nous devenons la propriété de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, il n'est plus question, n'est-ce pas, que notre vie soit un ensemble ou bien un mélange de péchés, un mélange de ce monde, un mélange, n'est-ce pas, de la musique du monde, un mélange de l'habillement de ce monde. Non, frère, nous ne pouvons plus nous comporter ainsi. Vous voyez? Donc, il y a la séparation que Dieu, n'est-ce pas, opère dans la vie de ses enfants en nous éloignant, n'est-ce pas, en nous mettant à part. Vous voyez? Et on va lire aussi, n'est-ce pas, Lévitique chapitre 15, verset 31. Vous voyez? Lévitique 15, verset 31. Voilà, nous allons lire les Écritures dans Lévitique chapitre 15, verset 31. Voilà. Je crois que les frères de la régie vont nous mettre ce passage sur l'écran, afin qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions effectuer la lecture. Voilà, Lévitique chapitre 15, verset 31. Voilà. Je vais faire la lecture. La Bible dit, « Vous éloignerez les Israélites de ce qui les met en état d'impureté. » Ouais, un peu. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Donc le Seigneur disait, n'est-ce pas, que les enfants d'Israël devaient s'éloigner de l'impureté. L'impureté, c'est l'image du péché. Vous voyez un peu? Et que s'ils ne s'éloignaient pas, n'est-ce pas, des impuretés, cette impureté-là, n'est-ce pas, pouvait causer la mort. Parce qu'ils allaient souiller le tabernacle de Dieu. Donc le tabernacle de Dieu, n'est-ce pas, était un lieu qui était consacré où le peuple d'Israël devait rencontrer leur Créateur, devait venir à la rencontre, n'est-ce pas, du Maître. Et Dieu, Elohim, leur enseigne, n'est-ce pas, qu'il n'était pas question qu'ils viennent, n'est-ce pas, dans ce lieu-là, étant impurs, étant entachés par le péché. Parce qu'ils devaient se mettre à part, ils devaient se séparer. Donc Dieu, n'est-ce pas, peut mettre des gens à part, n'est-ce pas, afin que ces gens-là, n'est-ce pas, puissent l'appartenir, afin que ces gens-là, n'est-ce pas, soient une propriété, soient des gens qui appartiennent à Dieu. Et c'est ce que les chrétiens deviennent. Lorsque nous devenons enfants du Seigneur, lorsque nous naissons, n'est-ce pas, d'en haut, nous sommes séparés. Dieu nous met à part. Nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, nous comporter comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, avoir des attitudes, des comportements, n'est-ce pas, ben, qui sont identiques au monde. Non, ouais, un peu. Sinon, frère, ben, la mort de Christ en nous n'aura pas d'importance. La mort de Christ en nous, n'est-ce pas, n'aura pas un impact favorable. Voyez, voyez, si Jésus-Christ est mort à la croix et si Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu faire de nous, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, les enfants, n'est-ce pas, du royaume des cieux, mais c'est parce que, n'est-ce pas, le monde, n'est-ce pas, a des valeurs différentes, n'est-ce pas, de celles du royaume de Dieu. Voyez, donc, quand nous sommes, n'est-ce pas, enfants de Dieu, frère, nous ne devons plus nous comporter, n'est-ce pas, comme tout le monde, comme les gens font. Non, nous nous mettons à part. Dieu nous sépare. Vous voyez un peu, Dieu, n'est-ce pas, renouvelle notre intelligence. Et en renouvelant notre intelligence, n'est-ce pas, il nous éclaire. Il nous donne la capacité de comprendre la parole, comme je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous voyez un peu, la parole. Et c'est la parole du Seigneur en nous, frère, qui nous aide à faire le tri,
entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre les attitudes, n'est-ce pas, que nous ne devons plus pratiquer et les attitudes, n'est-ce pas, que nous pouvons encore pratiquer. Vous voyez un peu ? Donc, c'est la parole dont le Seigneur, n'est-ce pas, séparait, n'est-ce pas, son peuple. Vous voyez un peu ? Pourquoi ? Parce que le Seigneur ne voulait pas de mélange. Dieu ne voulait pas que son peuple, n'est-ce pas, se retrouve, n'est-ce pas, à adorer des faux Elohim, à adorer des faux dieux. Vous voyez ? Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous vivons dans un monde, frère, où il y a une diversité, une multitude, n'est-ce pas, des Elohim, une multitude des dieux. Vous voyez un peu, des hommes sont vénérés, des hommes sont adulés, des hommes sont exaltés. Il y en a qui se prosternent devant des hommes, vous voyez un peu, ben, qui les adorent. Vous voyez, le culte de l'homme, le culte de la personnalité. Vous voyez un peu, aujourd'hui, frère, il y a tellement de dieux, le dieu de l'argent, le dieu du sexe. Vous voyez un peu, le dieu des forêts, les dieux des eaux. Les gens vont invoquer les esprits des eaux pour demander de l'argent, pour demander du pouvoir. Vous voyez un peu, ben, ce sont des invocations sataniques. Les gens sont en contact, n'est-ce pas, avec des démons. Vous voyez un peu, et ces démons-là, n'est-ce pas, il y en a qui les considèrent comme étant de Dieu. Ben, ce ne sont que des faux dieux. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, Dieu parle de la séparation. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas, nous devons nous séparer de ces choses. Parce que la pratique, n'est-ce pas, ou la fréquentation de ces choses, n'est-ce pas, nous expose à quoi? La conséquence, c'est quoi? Ben, c'est les jugements de Dieu. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi Dieu dit que si le peuple, son peuple d'Israël, n'est-ce pas, ne se séparait pas du péché, vous voyez un peu, la mort, n'est-ce pas, pouvait les rattraper. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, nous demande de nous mettre à part. Le Seigneur met ses enfants à part. Le Seigneur nous éloigne, n'est-ce pas, nous sépare des valeurs de ce monde, vous voyez un peu, afin que nous soyons un peuple qui lui appartient, afin que nous soyons un peuple sanctifié, un peuple, n'est-ce pas, qui vit et qui témoigne, n'est-ce pas, les valeurs du royaume des cieux. Vous voyez un peu ? Pas un peuple, n'est-ce pas, qui confus, pas un peuple, n'est-ce pas, troublé, pas un peuple dépressif. Vous voyez un peu ? Non, un peuple, n'est-ce pas, qui a, comme on le dit, qui a la tête sur les épaules, qui a des yeux fixés sur la personne de Yahushua, de Jésus-Christ de Nazareth. Un peuple, n'est-ce pas, qui connaît son créateur. Un peuple qui a la connaissance, n'est-ce pas, de son créateur. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas. Beaucoup parlent de Jésus-Christ, mais ils ne connaissent pas Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez un peu? Non. Vous voyez, Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas une religion. Jésus est Dieu. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi il dit que celui qui marche, n'est-ce pas, avec lui, ne peut plus être dans les ténèbres. Vous voyez un peu? Si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les ténèbres. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire, n'est-ce pas, sur les principes de ce monde. Parce que la puissance de Dieu agit en nous. Il n'est plus question, n'est-ce pas, que nous soyons esclaves de quoi que ce soit. Non, nous sommes libérés. Bien qu'il est vrai que, étant dans le Seigneur, frère, cela ne nous éloigne pas, ne nous empêche pas, n'est-ce pas, que nous soyons persécutés ou attaqués. Non, bien que nous serons attaqués, persécutés, calomniés, oppressés, bien que nous allons vivre, n'est-ce pas, c'est une situation difficile de la vie, mais la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus-Christ a triomphé de ce monde. Alors, et pour avoir la victoire, n'est-ce pas, sur les principes ou encore sur les valeurs de ce monde, frère, il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a qu'en Jésus-Christ seul que nous avons la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir ou sinon de trouver cette victoire, n'est-ce pas, sur ce monde. Ouais, donc, le Seigneur, n'est-ce pas, veut la séparation. Donc, le Seigneur, quand il nous appelle, n'est-ce pas, nous devons nous séparer, n'est-ce pas, du péché, des valeurs de ce monde, n'est-ce pas, la conception des choses de ce monde. Ouais, un peu, ce n'est pas possible que tu sois enfant de Dieu et tu continues, n'est-ce pas, à danser la musique du monde. Ce n'est pas possible que tu sois chrétien, éclairé, né de nouveau et tu es constamment, n'est-ce pas, dans les fréquentations des boîtes de nuit ou des bars où tu t'empiffres d'alcool. Il y en a d'autres même, n'est-ce pas, qui sont dans la débauche sexuelle. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est des choses, n'est-ce pas, que tu pratiques, il y a un problème. Ça veut dire que tu es lié quelque part et tu as besoin d'une délivrance de la part de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin, n'est-ce pas, que Jésus-Christ brise, n'est-ce pas, les chaînes du péché afin, n'est-ce pas, de te sortir de cette prison, ouais, un peu, et te donner la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir de voir. Parce qu'il y en a, n'est-ce pas, qui ont des yeux physiques, mais ces yeux-là ne voient rien. Ces yeux-là ne peuvent voir que les choses de ce monde, ouais, un peu. Mais dans le domaine spirituel, ben, c'est les personnes qui sont complètement aveugles. Vous voyez ? Donc, c'est les gens qui ont besoin de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une honte. Il ne faut pas avoir honte. Alors, si le péché en toi, si tu es dominé, n'est-ce pas, par le péché, si tu sens en toi, n'est-ce pas, qu'il y a la lutte, n'est-ce pas, tant au péché, alors il n'y a qu'à crier à Jésus-Christ. C'est lui seul, n'est-ce pas, qui a la puissance, qui a la capacité de pouvoir te libérer, n'est-ce pas, du péché. Voilà. Et par la suite, n'est-ce pas, il y a aussi la première séparation, c'est celle-là, où le Seigneur, n'est-ce pas, nous appelle, le Seigneur nous appelle
Et le Seigneur fait de nous, n'est-ce pas, ses propriétés, nous appartenons au Seigneur. Voyez, et il nous sépare des valeurs, il nous sépare des choses de ce monde. Et il y a aussi, n'est-ce pas, des séparations que le Seigneur peut nous imposer, peut imposer dans la vie d'une personne, ou un peu. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'autour de nous, le Seigneur sait qu'il y a des gens. À chaque fois que nous serons en contact avec ces personnes, nous ne pourrons pas évoluer. Nous ne pourrons pas avancer. Notre vie ne peut pas connaître une croissance. Vous savez, tellement de personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, ben, se posent des questions sur les routines, sur certaines situations de leur vie, sur certaines choses, n'est-ce pas, qui les concernent de manière personnelle. Ça veut dire que les gens n'arrivent pas à décoller, les gens n'arrivent pas à avoir une vie épanouie. Et on se pose des questions, mais Seigneur, mais pourquoi je ne comprends pas? Ben, il n'y a qu'à regarder autour de toi. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui constituent parfois pour nous, n'est-ce pas, qui sont des occasions de chute, qui constituent, n'est-ce pas, de la mauvaise compagnie. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, un peu, je crois à partir du verset 30 à 31, là-bas, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À chaque fois que tu seras accompagné, n'est-ce pas, des mauvaises personnes, frère, ben, c'est des choses qui peuvent t'empêcher, n'est-ce pas, de rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et sur ce, n'est-ce pas, nous avons aussi besoin de laisser le Seigneur, n'est-ce pas, nous séparer de ces gens-là. Voyez un peu, de ces personnes. Regardons, n'est-ce pas, frère, dans Genèse chapitre 37. Genèse 37, nous allons lire Genèse chapitre 37 à partir du verset 1er. Non, on va lire à partir du verset, voilà, premier. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Ouais. L'histoire de Joseph, c'est une histoire, moi, qui m'inspire vraiment beaucoup, parce que rien que par l'histoire de Joseph, on peut enseigner pendant des jours et des jours. Vous voyez, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, il eut encore un autre songe où il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous voyez, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Voilà. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens. Je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici, tes frères sont. Va, et Israël lui dit, va, je te prie, et voici, tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état. Et tu m'en apporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir.
ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils le virent. Ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Alléluia. La Bible dit que Joseph, n'est-ce pas, va être vendu, n'est-ce pas, par ses frères parce qu'il avait la haine dans son cœur à cause des songes qu'il avait reçus du Seigneur. Il y a des choses, n'est-ce pas, que Dieu confie à des gens. Il y a des grâces que Dieu peut déposer, n'est-ce pas, dans la vie des gens. Et ces grâces-là, n'est-ce pas, cette grâce-là, n'est-ce pas, cette destinée-là peut être, n'est-ce pas, un moyen qui va pousser les gens autour de toi à t'haïr, à te détester. Et Joseph, n'est-ce pas, à cause de l'appel qui était sur lui dans sa vie, ses frères vont commencer à le haïr. Et Dieu, n'est-ce pas, pour préserver Joseph de la méchanceté de ses frères, pour l'amener, n'est-ce pas, à rentrer dans la destinée, dans le plan qu'il avait pour lui, alors il va séparer Joseph de ses frères. Et la séparation, c'était quoi? Voyez un peu, Dieu n'a pas permis à ce que ses frères le tuent. Voyez, Dieu va permettre, n'est-ce pas, à ce que Joseph soit vendu aux Ismaélites, n'est-ce pas, et qu'il aille en Égypte. Et c'est en Égypte, là-bas, n'est-ce pas, que Dieu va élever Joseph. Et Dieu va se servir, n'est-ce pas, de Joseph, que ses frères ont voulu tuer, n'est-ce pas, il va se servir de Joseph, n'est-ce pas, à sortir Israël, ça veut dire que la famille de son père, ses frères et toute la nation israélite, n'est-ce pas, de la misère, de la famine. Voyez un peu. Voyez, donc Dieu, n'est-ce pas, peut séparer quelqu'un de sa famille. Dieu peut te séparer, il peut t'éloigner, n'est-ce pas, de certaines personnes qui veulent te détruire, qui veulent, n'est-ce pas, te faire du mal, mais sans que toi-même tu te rendes compte. Vous savez, il y a des choses parfois que Dieu ne peut pas nous donner, il y a des choses que Dieu ne peut pas nous accorder, parce que Dieu sait qu'autour de nous, n'est-ce pas, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont prêts, qui sont aptes, n'est-ce pas, à nous éliminer, à nous tuer, voyez un peu, à porter atteinte à notre vie, voyez un peu, à nous effacer de manière radicale. Et le Seigneur connaît leurs projets, le Seigneur connaît leurs plans. Quand bien même, n'est-ce pas, nous sommes limités dans notre compréhension, parce que la Bible dit que nous connaissons en partie, ouais, un peu, mais Dieu, n'est-ce pas, lui, il connaît les cœurs, il connaît, n'est-ce pas, les motivations des personnes qui nous entourent. Dieu connaît, n'est-ce pas, qui est sincère, qui est faux et qui fait semblant. Donc Dieu connaît. Donc parfois, n'est-ce pas, il y a des gens qui subissent des séparations, n'est-ce pas, et ils subissent une séparation brutale. Vous voyez? Et après, beaucoup se retrouvent tristes. Oh, pourquoi je suis ainsi? Mais non, ne te retrouve pas triste. Examine, vois un peu. Demande au Seigneur pourquoi il a permis à ce que tu te sépares de ta famille. Pourquoi Dieu a permis à ce que tu te sépares, n'est-ce pas, de tes amis. Pourquoi Dieu a permis que tu te sépares de telle ou telle chose. Vois un peu, non? Voilà, le Seigneur sait. Vous voyez, ça me souvient, n'est-ce pas, d'un frère qui avait un problème, n'est-ce pas, de mari de nuit, de femme de nuit, autant pour moi. Vous voyez? Donc, il demandait toujours, n'est-ce pas, de l'aide et il ne comprenait pas pourquoi il était constamment visité par des femmes de nuit, Et un jour, pendant qu'il se rendait, n'est-ce pas, dans un marché, ouais, et il empruntait un taxi, et dans le taxi, il a perdu son téléphone.
Le téléphone est tombé et il est descendu du taxi sans se rendre compte. Il est allé, n'est-ce pas, faire les courses et il a repris notre taxi pour se rendre chez lui. Et c'est en se rendant chez lui qu'il finit, n'est-ce pas, par constater qu'il avait égaré, qu'il avait perdu son téléphone. Ben, il se lamentait, il se disait, mais comment est-ce que j'allais faire pour avoir, pour acheter encore un autre téléphone, les temps sont difficiles, ainsi de suite. Il se lamentait, il était triste pendant un temps. Vous savez, le téléphone aujourd'hui, n'est-ce pas, vole le temps, occupe tellement, n'est-ce pas, des vies que beaucoup, à cause du téléphone, frère, les applications Android, ainsi de suite, ou un peu Facebook, YouTube, les gens n'ont plus le temps à la méditation, les gens n'ont plus le temps à la prière, vous voyez ? Et par le téléphone, beaucoup ne se rendent pas compte que, ben, ils sont en contact parfois, n'est-ce pas, avec des images qui sont aussi des portes que le diable suscite, n'est-ce pas, pour atteindre, pour attaquer beaucoup de chrétiens. Donc le téléphone, n'est-ce pas, à chaque fois qu'il allait sur YouTube ou un peu qu'il allait sur Facebook, tout ça là, ben, il voyait des images obscènes, des images où des femmes étaient dénudées, des images où des hommes étaient dénudés. Et par un peu le contact de ces choses-là, frère, il y a le diable, n'est-ce pas, arrivé, un peu à créer une brèche. Et c'est par là qu'il était constamment attaqué par des femmes de nuit. Vous voyez ? Donc le Seigneur l'a séparé de quelque chose, mais lui, il était triste. Mais il ne se rendait pas compte, il ne s'était pas rendu compte que le Seigneur, n'est-ce pas, l'avait délivré. Parce qu'il s'est plaigné. Il s'est demandé, Seigneur, mais pourquoi des femmes de nuit? Pourquoi tout le temps su attaquer? Ben, il ne savait pas que le téléphone, n'est-ce pas, qui était devenu, n'est-ce pas, son compagnon le plus fidèle, son compagnon de tous les jours, n'est-ce pas, était cet instrument-là que le diable utilisait, n'est-ce pas, pour passer, n'est-ce pas, afin de l'amener à ouvrir les portes aux femmes de nuit. Vous voyez? Ben, comme Joseph. Vous voyez, Joseph, indépendamment de sa volonté, vous voyez, il ne savait pas que derrière, n'est-ce pas, le Seigneur voulait se séparer de lui. Il voulait le séparer de sa famille. Il voulait le séparer de ses frères. Parce que ses frères le haïssaient. Ses frères pouvaient le tuer. Le diable pouvait se servir de lui, n'est-ce pas, pour servir d'eux, n'est-ce pas, pour complètement l'éliminer. Parce que dans la vie de Joseph, n'est-ce pas, il y avait une grâce particulière, frère. Il y a des situations comme ça où Dieu peut te séparer de certaines personnes. Et quand cela nous arrive, arrêtons de nous lamenter. Apprenons, n'est-ce pas, à bénir le Seigneur. Paul nous dit dans la Bible de rendre grâce à Elohim, n'est-ce pas, en toutes choses. Parce que tout ce que Dieu fait pour ses enfants, frère, même lorsque nous ne comprenons pas, frère, c'est pour notre bien. Notre Elohim, n'est-ce pas, ne fait pas des choses en vain. Le Seigneur sait qui tu es. Le Seigneur sait qui tu fréquentes. Le Seigneur connaît les motivations, n'est-ce pas, des gens qui nous entourent, même au sein de nos familles, même dans nos lieux de travail. Le Seigneur connaît. Tu peux voir des gens sourire. Tu peux voir des gens, n'est-ce pas, te dire bonjour, mais tu ne sais pas ce que ces personnes méditent, préméditent, n'est-ce pas, dans leur cœur, envers ta personne. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, peut permettre que tu aies un boulot où tu es bien payé, ben ce boulot-là soit cassé. Parce que le Seigneur sait que derrière ce boulot, frère, il y a un piège. Un peu, il y a un guet-apens, il y a un plan qui est fomenté contre toi parce qu'on veut te déstabiliser, parce qu'on veut te tuer. Et le Seigneur, n'est-ce pas, te sépare de ces choses-là. Il permet à ce qu'on te licencie. Voyez, maintenant, si tu n'as pas une intelligence renouvelée, si tu ne sais pas discerner les voies du Seigneur, si tu ne sais pas, n'est-ce pas, comprendre les méthodes, n'est-ce pas, hein, la façon dont le Seigneur travaille, frère, tu peux te retrouver en train de te lamenter et toi-même combattre Dieu alors que Dieu est en train de travailler, n'est-ce pas, pour ton propre bien. Voilà pourquoi, frère, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être sensibles, n'est-ce pas, de cultiver vraiment une intimité avec le Seigneur. C'est quand, n'est-ce pas, nous avons une intimité forte avec le Seigneur, frère, que même lorsque les choses, n'est-ce pas, paraissent bizarres, frère, on ne se précipite pas à se lamenter, on ne se précipite pas, n'est-ce pas, à ouvrir notre bouche n'importe comment. Non, frère, nous prenons un peu de recul, hein, et nous demandons au Seigneur, papa, que veux-tu m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux encore m'enseigner, n'est-ce pas, au travers de cette situation ou au travers, n'est-ce pas, de cette chose? Vous voyez? La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Vous voyez, donc le Seigneur peut permettre aussi, n'est-ce pas, des séparations dans la vie de son enfant. Vous voyez, parce que autour de nous, nous sommes entourés, n'est-ce pas, de mauvaises personnes. Voilà. Et pour terminer, n'est-ce pas, le Seigneur aussi, frère, nous sépare du péché. Il veut nous séparer du péché. Vous voyez, c'est possible, n'est-ce pas? Ben, même si tu as passé du temps avec quelqu'un avec qui tu aimais, vous avez eu des enfants, vous avez fondé une vie, mais le Seigneur peut te demander de se séparer de cette personne-là. Ah oui,
Si ce n'est pas l'homme que Dieu a prévu pour toi ou la femme que Dieu a prévu pour toi, le Seigneur peut te dire sépare-toi. Vous voyez? Et le fait, n'est-ce pas, de mettre Dieu là où Dieu ne se trouve pas, mais peut nous pousser à être, n'est-ce pas, ou à vivre, à mener une vie lamentable, une vie, n'est-ce pas, où il n'y a pas d'épanouissement, une vie, n'est-ce pas, où il n'y a pas d'élévation, de progression. Vous voyez, le Seigneur ne nous appelle pas à être des nés spirituels. Le Seigneur ne nous appelle pas, n'est-ce pas, à tâtonner. La Bible nous dit que Dieu a des merveilleux plans pour nous. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Mais c'est nous-mêmes, parfois, à cause, n'est-ce pas, des choix que nous faisons, à cause de l'endurcissement de notre cœur, frère, nous raisonnons tellement. Quand même Dieu te dit « laisse tomber », mais toi, mais nous, parfois, nous trouvons que ben, c'est trop difficile, on va faire comment, mais on risque de mourir, Seigneur, mais si je laisse tomber, je vais faire comment, mais non. Mais si c'est Dieu qui te dit « laisse tomber », mais le Dieu qui arrive à nourrir les oiseaux du ciel, le Dieu qui pense que même les animaux, n'est-ce pas, qui sont dans la forêt, n'est-ce pas, doivent se nourrir, n'est-ce pas, pour leur survie, vois un peu, mais c'est l'homme. Nous, les créatures de Dieu, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ouais un peu, mais est-ce que c'est nous que Dieu va abandonner? Non. Vous voyez, le problème c'est l'homme. Ça veut dire que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Vous voyez? Et étant dans le péché, frère, nous sommes complètement limités. Nous ne pouvons pas, nous n'avons aucune force. Dans Ésaïe 59 verset 2, regardons ce qui est écrit. Ésaïe 59 verset 2. Voilà. Dans Ésaïe 59 La Bible nous dit quoi? Que nous dit la parole. Voilà. Voilà, nous bénissons le Seigneur. La Bible dit quoi? Ésaïe 59, voilà. Nous y sommes. Voilà, le verset 2. La Bible dit, mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre entre vous et votre Dieu. Vous voyez un peu la Bible, ce sont vos crimes donc, qui mettent une séparation. Donc, frère, le péché nous sépare de Dieu. Vous voyez un peu, c'est écrit, mais ce sont vos crimes. Vous voyez un peu, le crime c'est quoi là? Avoir la haine dans ton cœur, vouloir le mal, la mort, l'accident, n'est-ce pas, de quelqu'un, même si cette personne-là t'aura fait du mal, frère, c'est un crime, c'est un meurtre, c'est une façon de préméditer la mort de quelqu'un, ça c'est un péché. Vous voyez un peu, ouais. Les avortements, c'est un crime. Voilà, prendre ton corps, n'est-ce pas, et t'empiffrer de drogue, c'est un crime. Le corps que Dieu t'a donné, à chaque fois que tu le détruis, n'est-ce pas, en te livrant, n'est-ce pas, à l'ivrognerie, aux drogues, tu détruis ce corps. Si tu meurs dans cet état-là, Dieu te demandera des comptes. Vous voyez un peu? La Bible dit que mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, le péché nous sépare de Dieu. Vous voyez un peu? Le péché nous éloigne de Dieu. Donc, voilà pourquoi, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, nous sépare du péché. Vous voyez un peu, non seulement il nous éclaire, il nous apprend ce que c'est le péché. Vous voyez un peu, et par la suite, n'est-ce pas, il nous demande de nous séparer du péché. Vous voyez, dans Jean chapitre 17, verset 16, regardons, pour soutenir un peu tout ce que nous avons parlé, ce que nous avons dit en amont. Jean 17, verset 16. Voilà. La Bible dit, ils ne sont pas du monde. Donc nous qui sommes du Seigneur, nous ne sommes pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez, étant dans le monde, quand on dit nous ne sommes pas du monde, ça veut dire nous ne vivons plus selon le monde. Nous ne vivons plus selon les principes élémentaires de ce monde. Nous ne vivons plus selon les rudiments. Nous ne vivons plus, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, les valeurs, selon le comportement de ce monde. Vous voyez un peu? Jésus qui dit, comme moi, je ne suis pas du monde, comme lui-même aussi, n'est-ce pas, il n'est pas du monde et Jésus-Christ n'a pas vécu selon, n'est-ce pas, les valeurs de ce monde. Il dit, mais nous qui sommes en lui, nous ne pouvons pas faire le contraire et disant que nous appartenons à Jésus-Christ. Il dit non. Vous voyez un peu? Donc, il y a une séparation. Nous nous séparons du péché. Vous voyez un peu? Et marcher, n'est-ce pas, en nouveauté de vie. Et marcher, n'est-ce pas, dans la sainteté, dans la sanctification. Vous voyez donc, le Seigneur, n'est-ce pas, frère, nous demande, n'est-ce pas, de nous séparer du péché, de nous séparer de tout ce qui est péché, de tout ce qui peut nous pousser, n'est-ce pas, à pécher. Vous voyez un peu? Voilà. Si nous avons des gens avec qui on a grandi, mais ces personnes-là n'ont pas connu le Seigneur, et qu'à chaque fois, n'est-ce pas, que nous sommes en contact de ces gens, on se retrouve souillés, nous sommes irrités parce qu'ils ont des discours vulgaires,
une rencontre que du sexe, une rencontre que de l'alcool, une rencontre que du vol, une rencontre que des bagarres. Vois un peu. Mais toi, tu n'es pas obligé, n'est-ce pas, de rester au milieu d'eux. Vois un peu. Voilà. Quoi que la Bible nous demande de ne pas fuir les gens de ce monde, parce qu'il faut prêcher l'évangile. Mais toutefois aussi, nous ne devons pas laisser, n'est-ce pas, nos oreilles être polluées, nos yeux être pollués, n'est-ce pas, par les méchancetés, par les impuretés qui sortent, n'est-ce pas, des bouches des personnes irrégénérées. Non. La Bible nous conseille, n'est-ce pas, nous exhorte à nous mettre à part. Donc nous séparer du péché, nous éloigner radicalement, n'est-ce pas, de tout ce qui veut ou bien peut nous amener, n'est-ce pas, à pécher. Oui, donc la séparation, n'est-ce pas, frère, est nécessaire. Nous devons comprendre cela, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous impose de nous séparer, n'est-ce pas, de certaines choses, nous impose de nous séparer de certaines personnes, nous impose, n'est-ce pas, de nous mettre à part pour son service, nous demande de renoncer au péché, de renoncer au mensonge, de renoncer à la calomnie, aux critiques, aux congossa, au vol. Vous voyez, je me rappelle une dame qui travaillait dans une administration, n'est-ce pas? Je l'avais vue avec des rouleaux de papier hygiénique. Je lui ai demandé, mais d'où sors-tu? Où est-ce que tu sors avec ces papiers? Je lui ai dit, non, du travail. Mais tu les amènes où? Elle dit, mais à la maison. Un peu. Donc, elle prend le papier hygiénique, n'est-ce pas, de son lieu de travail, pour les amener chez elle. Alors que les papiers hygiéniques du travail, n'est-ce pas, c'est pour l'administration, c'est pour ses collègues, c'est pour tout le monde. On l'achète, n'est-ce pas, c'est pour le bien des autres, vous voyez un peu. Mais elle prend, vous voyez un peu. Pourquoi? Oh non, nous sommes habitués, c'est comme ça, c'est du vol. Vous voyez, de tels comportements, n'est-ce pas, n'honorent pas le Seigneur. Vous voyez, quand on est éclairé, quand on a Jésus-Christ, nous devons nous séparer, n'est-ce pas, de telles mentalités. Même si autour de nous, n'est-ce pas, il y a des gens qui se comportent ainsi, il y a des gens qui agissent, n'est-ce pas, ainsi, mais nous ne devons plus, n'est-ce pas, avoir de tels comportements. On te confie la caisse de ta société, on te confie la gestion des choses, mais tu soutires de l'argent, tu soutires des choses, n'est-ce pas, frère, ce n'est pas correct. Vous voyez un peu? Mais ça, là, n'est-ce pas, ce n'est pas l'attitude propre que doivent avoir les enfants du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous séparer, n'est-ce pas, de tels comportements, de telles mentalités. Vous voyez un peu? Parce que c'est le péché, cela nous souille et cela nous limite. Vous voyez? Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que l'Élohim Tout-Puissant nous donne la force et la capacité de nous séparer des impuretés et d'accepter les séparations que le Seigneur impose dans nos vies. Lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, se rend compte que nous sommes entourés, n'est-ce pas, de la mauvaise compagnie, des mauvaises personnes, et que le Seigneur, n'est-ce pas, crée ou bien suscite, n'est-ce pas, des séparations parfois brusques ou brutales, frère, ne nous lamentons pas, bénissons le Seigneur. Parfois, n'est-ce pas, c'est pour notre bien. Il y a des choses que le Seigneur opère dans nos vies, mais que nous ne comprenons pas. Ne commençons pas à maudire Dieu. Ne commençons pas, n'est-ce pas, à remettre en cause son existence. Ne commençons pas, n'est-ce pas, à ignorer ou sinon à oublier tout ce qu'il a fait dans nos vies. Non, bénissons-le. Apprenons à garder le calme. Apprenons, n'est-ce pas, à faire confiance à notre Dieu. Notre Dieu sait où il nous amène. Si toi, tu as passé du temps avec un homme, tout le temps, tu ne te maries pas. Il te fait des promesses qui ne se réalisent jamais. Peut-être que ce n'est pas l'homme que Dieu a prévu pour toi. Tu es en train de perdre ton temps. Alors, il est temps, n'est-ce pas, de prendre une résolution ferme en faisant comme en te séparant. Parce que à chaque fois que tu continues à vivre dans cette relation, frère, sœur, tu es dans le péché. Et le péché, n'est-ce pas, comme nous l'avons lu, te sépare de Dieu. T'éloigne, n'est-ce pas, des bénéficiaires, des bénédictions de Dieu. Dieu nous a créés, n'est-ce pas, pour nous bénir. Dieu nous a créés, n'est-ce pas, parce que Il y a des choses, n'est-ce pas, que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Donc Dieu, n'est-ce pas, veut nous bénir, Dieu veut nous élever, Yahweh veut changer nos vies, voyez un peu. Mais le problème parfois, c'est nous. Nous avons du mal de nous séparer, nous avons du mal, n'est-ce pas, de nous mettre à part, de nous mettre, n'est-ce pas, à part pour le Seigneur. Combien de personnes, n'est-ce pas, ont perdu leur vie? Parce qu'il y en a qui les ont nourris des espoirs. Je vais t'épouser, mais le mariage n'est jamais arrivé. Un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Et après, au bout d'un moment, dès que ton corps prend un coup, il finit par t'abandonner et il va trouver, n'est-ce pas, une autre ailleurs. Frère, beaucoup se sont lancés, n'est-ce pas, dans des espérances fausses. Beaucoup se sont lancés, n'est-ce pas, dans les choses de ce monde, qui ont couru après l'argent, qui ont couru après des vaines choses. Mais après, c'est la déception. La Bible nous dit, n'est-ce pas, de nous séparer de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et en te séparant, n'est-ce pas, de ces choses-là, et en te tournant vers le Seigneur, tu verras que Dieu va agir dans ta vie. Parce que la Bible dit, jamais quelqu'un n'a cherché le Seigneur, n'est-ce pas, sans le trouver. Il dit, demandez, on vous donnera. On demande à qui? Frère, on demande à Dieu.
Voyez un peu. Il dit, cognez et on vous ouvrira. On cogne la porte de qui? Mais du Seigneur. Il dit, cherchez et vous trouverez. Vous cherchez qui? Vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque cherche Jésus finit par le trouver. Et quand tu trouves Jésus-Christ, il opère des miracles dans ta vie. Donc Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus bénit. Mais parfois, le Seigneur a besoin, n'est-ce pas, d'opérer ou d'imposer des séparations dans nos vies. Apprenons à obéir au Seigneur, apprenons à lui faire confiance. Et en faisant confiance au Seigneur, nous allons voir que le Seigneur nous amènera de gloire en gloire. Que la paix de l'Adonai Tout-Puissant soit votre vie. Que l'Éloi bénisse vos familles, bénisse nos enfants, bénisse nos entreprises, bénisse notre nation, bénisse Papa, bénisse Père, nos autorités. Adonai soit béni. Papa, nous prions Père Céleste que cette parole porte du fruit dans le cœur de tes enfants. Papa, nous renversons tout raisonnement. Papa, que tous ceux qui ont du mal à se séparer, tous ceux à qui tu as parlé, tous ceux à qui tu as demandé, n'est-ce pas, de se séparer de certaines choses, que ce soit un péché qui est lié à une relation, n'est-ce pas, un péché qui est lié, n'est-ce pas, à un travail où tu ne vois plus ton enfant, Père, exercer, mais à cause des difficultés, à cause des soucis de la vie, beaucoup continuent, n'est-ce pas, à persévérer, à vouloir insister, à vouloir continuer. Et leur vie est entachée de tristesse. Il y en a qui sont tristes dans leur cœur. Il y en a qui sentent, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus la joie, il y a comme si quelque chose te vole la joie, s'il y a certainement quelque chose que tu fais mais qui ne plaît pas à Dieu, qui ne plaît pas à ton Créateur. Remets-toi en cause, examine-toi, va dans la présence du Seigneur. Si Dieu te pointe du doigt sur quelque chose, ou bien il y a quelque chose ou dont Dieu te pointe du doigt depuis, frère, sœur, sépare-toi de cette chose, laisse Jésus-Christ te conduire, et Dieu lui-même seul, n'est-ce pas, il sait où il t'amène. Dieu, il avait un plan pour Joseph. Joseph ne savait pas où le Seigneur l'amenait, mais Dieu, n'est-ce pas, savait que le chemin de l'Égypte était le chemin, n'est-ce pas, qui allait amener Joseph dans la gloire, dans une dimension, n'est-ce pas, des vies élevées. Peut-être il en est ainsi aussi de toi. Alors accepte, n'est-ce pas, la séparation que Dieu impose dans ta vie et laisse Jésus-Christ être aux commandes de ta vie et tu verras que Jésus-Christ n'échoue jamais, il n'est pas jamais à côté parce qu'il est merveilleux. Père grâce, que l'Adonai Tout-Puissant nous garde et nous fortifie. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom.